Mathieu, comment allez-vous? Bonsoir à tous, les amis, pardon, je pousse. Oui, un peu de... Ah bah, excusez-nous, c'est tous nos cadeaux. Il y en a peut-être un pour vous. Très bonne émission jusqu'à maintenant, on ne comprend pas grand-chose, mais on se faisait la réflexion en coulisses. Mais... Merci. Une bonne émission quand même. Ce soir, Anne-Sophie, les questions se bousculent. Celle d'abord de la comtesse de Lemoine, la comtesse qui se demandait vendredi à l'occasion de notre spécial Euro, je cite... Pourquoi les écharpes de supporters de foot sont-elles toujours aussi moches et tricotées dans des mailles aussi bas de gamme? Que diable ne font-ils pas des cachemires à l'ailée bleue? Que fait Bompard? Nous tâcherons de le savoir. Nous reviendrons également sur cette étrange confession de Pierre Lescure vendredi. Pierre qui nous a avoué nourrir des sentiments ambigus pour l'ancienne star du foot portugais Luís Figo. Nous serons en duplex de Lisbonne pour un face-à-face vérité. Enfin, c'est évidemment la question du jour. Combien de verres de Ricard Patrick Cohen, l'écluse du Pila, alias Tonton Pastis, s'est-il enfilé pour les besoins du happening pétanque jeudi soir? On embrasse d'avance. Alors qu'il partait en plus. Après le succès triomphal du happening des rimes lundi sous l'œil atterré de Florent Pagny... Juppé ? Pépé ? Le bon sens aurait voulu qu'on lève un peu le pied sur les happenings pourris. Hélas, le bon sens n'étant pas notre fort, dès vendredi, on remettait ça. Ayant lu dans sa fiche Wikipédia qu'il passait souvent ses vacances en Provence, l'idée de génie n'a pas tardé à germer. On allait évidemment proposer à Jean-Jacques Bourdin un happening pétanque. Vous trouvez ça tiré par les cheveux ? Pas du tout, ça fait sens. Il suffit de l'annoncer comme si c'était parfaitement logique et ça passe comme une lettre à la poste. Ouais. Est-ce que vous allez prendre des grandes vacances cet été? Oui, comme tous les étés. Vous partez quand? Début juillet? 15 juillet. Vous allez jouer un petit peu à la pétanque? 15 juillet, 20 août. Oui, bien sûr. Ah bah alors, bien alors, sûr que je vais jouer à la pétanque. Ah bah alors, je vous emmène. On va aller s'entraîner. Vous voulez bien? Allez. On a préparé Tout est logique. Notez l'enthousiasme de Patrick Cohen quand il comprend qu'on va boire du pastis. Jamais idée de happening ne l'avait autant séduit. Ce soir, on est également ravis de recevoir Audrey Fleurot, surtout Patrick, qui ne s'était jamais autant documenté qu'aujourd'hui sur un invité. Oui, Audrey, votre série de photos dans lui n'a pas laissé indifférent le magnifique, qui dernièrement, chamboulé par ses images sexy, les hormones en ébullition, a eu tendance à se montrer de plus en plus insistant envers sa collègue, Anne-Elisabeth Lemoine. Et oui, les textos de Denis Baupin à côté, c'est gentillé, hein. C'est la bibliothèque rose à côté de chez nous. Premières chaleurs estivales et épanchements grivois toujours. Vendredi, c'était au tour de Babette et Pierre de se dévoiler un peu. Oui. T'as pas vu le film Nike, là? Il y a Cristiano qui est et bien dedans. Moi, je préfère physiquement, comme homme, je préférais Figo, par exemple. Ah, oui, qu'il était beau. Surprenant coming out, surgi de nulle part. Enfin, Pierre Lescure, ce n'est pas qu'une sexualité hybride ouverte à tous les possibles, c'est surtout 45 ans d'expérience. Pierre sait que l'essentiel pour un chroniqueur en quotidienne, c'est de savoir s'économiser. Participer, oui, poser des questions pertinentes, d'accord, mais pas trop non plus. Bon, bah, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Qu'est-ce que c'est bon, le limoncello? C'est traître. La morue salée aussi. Qu'est-ce que c'est bon. Marine Le Pen. Gluten. Bonsoir. Joli tissu. T'as minci, non? Non. T'as grossi? Beau tissu, ta main si. Bon, rassurez-vous, Jonathan, mon montage est caricatural. La dernière fois, Pierre vous a aussi posé des questions de fond. J'aurais posé une question de confiance. Tu bois pas ton vin? Non. Je peux te le prendre? Oui. C'est ça, Pierrot. 45 ans de métier. C'est toujours lui qui chope le vin à la fin. Vendredi, alors que la production avait mis le paquet sur les décorations pour notre émission spéciale foot, la question se posait, mais qu'est-ce qu'on y connaît, nous, en foot? C'est vrai qu'autant en polo, Anne-Sophie touche sa bille, autant en foot, à part Pierre, qui a donc visiblement un peu trop bien connu Luís Figo, on n'est pas de grands experts, on a quand même retroussé nos manches de chemise Charvet et on a fait semblant, comme on a pu, maladroitement, de partager un peu la ferveur populaire autour de l'équipe de France. Le succès ne les a pas changés. Bonsoir Paris. La gloire ne les a rendus ni hautains ni capricieux. Les cuillères à soupe. Même quand la Shirley bolchevique était à nos portes, ils ont su rester à l'écoute du peuple. Vous êtes tous pareils. Vous aimez la viande. Il dit, vous aimez la viande, salaud. Vous aimez l'argent. Il dit. La viande. À l'argent. Aussi, oui. Aussi. Coucou les pauvres. Spécial euro. Pourquoi c'est laid, les écharpes de supporters? Ils peuvent pas en faire des belles que t'as vraiment envie de porter? Non, mais c'est la matière tricotée dégueu. T'as pas du tout envie d'avoir ces trucs-là, quoi. Tout est laid. Je sais pas. Hermès, quoi. La carré. Fier d'être bleu. Ouais, avec ton écharpe. Bon, l'écharpe, non, le slogan, non, un peu de pastis au moins.
J'aime pas l'anis, donc déjà ça limite. Mais par contre, une petite coupe de champagne ? Ah oui, un peu de cristal ! Au revoir les pauvres, à la prochaine, dans les travées de Longchamp, qui soyons simples, exactement. Enfin les amis, les pompiers du 11e qui l'ont retrouvée vendredi à l'aube, gisante, inanimée dans une flaque de pastis 51, nue et l'air hagard, ne l'ont pas reconnue tout de suite. L'individu, de type caucasien grassouillé, tenait des propos abscons, desquels il ressortait grosso modo que Jean-Jacques Bourdin ne faisait pas de si bonnes audiences que ça non, sur RMC. Ouais. Oui, Patrick Cohen se prête rarement au jeu des happenings, qu'il trouve généralement grotesque et mal produit, mais quand il y a possibilité de picoler un peu, ça change la donne, l'hédonisme prend le pas sur l'éthique, et Patrick se montre beaucoup moins critique. Oui. On savait déjà qu'il tournait pas au Perrier-Rondelle. Il y a eu autre chose, un autre épisode au moment de... Jeudi soir, on en a eu la confirmation. Ah, du pastis, quelle bonne idée. Patrick, le roi de l'apéro. Bon, Babette. La tienne. Ça, je peux vraiment pas boire. Ça, c'est au-dessus de mes forces. Voilà, la vôtre. Patrick, est-ce que tu bois? Hein? Tu bois quoi? Du pastis. Ah, merci. Ben, pourquoi? Un petit coup. Ah bon, mais c'est pas possible de laisser le pastis. Mais non, c'est excellent, moi c'est mon apéro préféré. Ouais. De l'action. Hop. Des dialogues équivoques. Je t'ai dégommé ta boule. Ouais, j'ai vu ça. Et je vais dégommer l'autre. Et quelques rares éclairs de lucidité. Et je suis seul à picoler. Eh oui, Patrick. Hop. Effectivement, le seul à avoir du pastis, c'était toi, mon Patrick. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette jolie présentation de notre équipe. Ah oui, on va, ouais. Ah oui. Ça donne envie. Et à souffle. Elle est formidable, celle-là. C'est son surnom. Et puis l'autorité aussi, hein, l'autorité. Mais, parfois, on pointe. Les attend toujours. Hein. Exactement. On va justement passer à table et puis on va continuer à parler de votre film, L'Idéal. On va aussi parler, je crois, de lui, parce que ça, c'est un sujet qui passionnait effectivement Patrick. Et puis surtout, on voulait savoir comment vous arriviez à convaincre de si belles actrices et talentueuses de venir poser dans l'île. Puis on va être rejoint par Abel Ferrara qui préside le festival des Champs-Élysées cette semaine, avant le live d'Izia et de Naïve New Beaters. New Beaters, merci beaucoup. On y va ?